La note 9.112, ne vous étonnez pas trop si vous voyez des notes assez basses. Ça, c'est la conséquence notamment du nouveau code de pointage. Maintenant, une note de 9.50 sera considérée comme une très bonne note. Il va falloir assimiler bien évidemment tout ce nouveau code. Et il ne faut pas trop s'étonner donc de voir des notes qui peuvent vous paraître un peu basses. On l'avait d'ailleurs déjà observé dans les compétitions, les premières compétitions internationales, les meilleurs gymnastes tournaient autour de 53 points. Nous avons quand même été surpris de voir au championnat de Russie le meilleur gymnaste, Karbanenko, finir à 57 points sur le nouveau code. C'est vrai que c'était assez étonnant, compte tenu des difficultés qu'il y a maintenant à accéder à des notes de 9,40, 9,50 notamment. Du côté de l'Italie, et pour conclure cette première partie, les Masters European Gym ici au Palais des Sports de Paris-Bercy. Susanna Marchesi, l'italienne, au ruban. Susanna Marchesi, l'italienne, avec dans ce groupe A pour le moment une domination quasiment conjointe de l'équipe de Grande-Bretagne et de l'équipe d'Italie. Il y a eu un petit faux pas sur un joker de l'équipe de France de la part de Sébastien Darrigade. C'était aux anneaux des Français qui vont devoir se battre dans la deuxième partie de ce groupe A pour tenter de se qualifier.